Hello. Hello. Ça va les amoureux? Ouais, très bien. Bon, alors je reprends mes petites vidéos. Ouais. Pour décrire vos tenues. Ah. Voilà, je trouve que vous êtes bien habillée aujourd'hui. Ah bah merci. Juste aujourd'hui, tu sais. Ouais. Donc on va commencer par l'ami Diego pour satisfaire mes lecteurs masculins qui demandent parfois des renseignements sur ce que tu portes. Ce sont tes lecteurs masculins qui posent des questions sur moi? Parfois, quand je prends des photos de toi, on me demande d'où viennent tes articles. Donc Diego, je vais faire un petit focus sur tes vêtements. Décris ta tenue, chérie. Alors tu Diego, qu'est-ce que tu portes? Bah tiens, India va nous tu faire... Tu à la Kenza? Alors, aujourd'hui, j'ai un petit... Toujours petit avec Kenza. Voilà. Un scooter qui s'est pété la gueule, voilà. Et donc, le mec se barre. C'est le camion qui a bousculé le scooter. C'est le camion qui a bousculé le scooter. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Allez, vas-y, bah, on refait. Allez, c'est parti. Diego, comment tu t'habilles? Comment une tu habilles? Petite écharpe en cachemire de chez Crimson. C'est une petite boutique dans le 8e rue. Il faut que tu bouges plus la tête et que tu fasses des trucs bizarres avec ta bouche quand tu parles. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Tu peux la gagner. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Non, c'est fatigant, t'as qu'un alors on va faire normal. De toute façon, je le fais après donc. Vas-y. Hyper simple, une paire de Nike ID. Donc Nike ID, comme vous le savez, c'est juste des Nike que vous pouvez personnaliser. Ah, tu les as personnalisés? Ouais. On peut voir ce que t'as écrit ou pas? J'ai écrit... Diego, putain, on peut pas voir, oui, Diego. Et là... Attends, India, oh. Alors, un petit jean, comme dirait Kenza, que India m'a amené de New York. Ouais. Que j'avais beaucoup de mal à mettre jusqu'à une certaine époque. D'accord, c'est la marque, on la connaît ou pas? India. Monte ton cul. Je sais pas, c'est ce truc là. Je sais pas. Voilà, c'est la marque. Voilà, bon, le caleçon. Tu l'as acheté où? Tu l'as acheté dans une boutique? J'ai acheté dans le Meatpacking à New York. Ok. Voilà, un petit t-shirt américain apparel à la con. Ouais. Toujours du Crimson. Un petit gilet en cachemire. Un petit cardigan super confortable. Moi je recommande, c'est super confortable. Et c'est tout. L'écharpe, tu nous as dit, d'accord, ok, très bien. Et alors, Miss India, comment elle est habillée aujourd'hui? Alors, Miss India, elle porte une écharpe Crimson, ouais. Voilà, qui est très sympa parce que là, il y a des petits pois, ouais. Et tu tournes, et là, tu as des gros pois. D'accord. Voilà. Une veste de chez Arthur & Fox, avec une doublure rouge. Ouais, genre comme le vampire, quoi. Voilà, comme le vampire. En fait, j'ai fait exprès de porter ce manteau parce que j'ai fait mes... Non, je rigole. C'est un truc horrible. En dessous, j'ai une petite chemise de chez... Abercrombie, ouais. Avec un débardeur blanc en dessous. Mm-hmm. Oui. En fait, on s'en fout. C'est vrai? On s'en fout. Ah merde, bah viens, c'est je rigole. Non, non, moi ça m'intéresse. Avec un jean, je ne connais pas la marque, c'est des japonais. C'est pas moi qui Et je l'ai acheté à Anvers. Ça s'appelle Waito. Voilà. D'accord, putain, ça va être pratique à décrire des... sur le blog. Des Louboutins. Voilà, que j'adore. Ouais. La semelle est un peu défoncée, mais bon, c'est pas grave, elles sont super confortables. D'accord. Et. Ton sac, ton collier? Mon sac. Chanel. Le fameux taupe improbable. À la base, il était gris clair. Hein. Ouais, bon, ouais, tu vois, tu l'appelles taupe maintenant. Ouais. Et le collier avec un gun dessus, c'est Zadig et Voltaire. Zadig et Voltaire. C'est un mec de pêche dans la rue. Vas-y, t'as un problème. Pan, pan. Tu m'énerves? Non! Pas les mains. D'accord. Ok, donc, voilà, cool. Voilà. On écrit la mienne? Allez. Allez, vas-y. Alors! Je sais que je suis hyper fatigante. T'as un petit cuir aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai un petit cuir, non. Alors, mais je porte un jean H&M, acheté récemment d'ailleurs. Quoi d'autre? Un pull. Salut. Hey, c'est moi. Un pull H&M que Margot m'a offert. Un perfecto H&M. Comme Michael Jackson. Exactly. Un sac à sauce. J'aime bien ton sac. Sympa. Ouais, il est très beau. Ouais, il est très cool. Merci. Et puis des boots. Des boots All Sense, achetées à New York également, comme Top. India. Et puis les lunettes, ah oui, les lunettes, je les ai achetées récemment, parce que ma vue a encore. Ah, il y a un truc qui n'est pas petit chez Kenza, ce sont les lunettes. Et son nez. et ça, alors, ce petit collier. Le collier. Bah, ça, c'est Sarah Hailey Design, trouvé sur internet, les petites pastilles. Et puis la petite corne, en fait, je l'ai découpée d'un maillot de bain acheté chez H&M et je l'ai mis autour d'un petit lien. Ah, voilà, et les lunettes, qui sont grandes, comme disait Diego, sont des Marc Jacobs. Bah c'est top. Voilà, ça va, j'ai pas trop bougé pour une fois? Non, ça va. La bouche et tout, ça s'est bien passé? Là, on dit au revoir. Bye bye!